Un moment. Un, deux, un, deux. Pourtant, ça marche bien, ça. Il n'y a pas de son. OK. Just one minute. Alors, micro. Alors, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Alors. Paramètres. Paramètres. Ah, you can hear me now? Ah, ok. Bon, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne parlais pas. Parce que j'avais pas... D'accord, super. Merci, merci, merci. Hello, everyone. Oh, I can see new names. That's nice. Marius, Angela. Angela, no, it's not new. Annick, Loli, Angel. Mohamed. Nice. How is everyone? Are you ready to work hard? Est-ce que vous êtes prêts pour travailler dur? Donc ce soir nous voyons, hello Jean-Marc, ce soir nous voyons les modos, ben, quelques-uns, hein, seulement les modos de la capacité et de la permission, d'accord? Ben, on va commencer tout de suite, ready? Oui, ben, si Loli est ready, alors on y va, hein? Très bien, c'est parti, parce qu'il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup à faire. Alors, je vous partage mon écran. Ici, voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais mettre ça là-bas. Ouais, super. Donc, aujourd'hui, le 22 mars 2019, nous voyons les modos. Alors, rapidement, je ne fais pas d'exemple Oui, je ne vais pas faire d'exemple pour la révision un peu petite leçon, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Parce que j'ai préparé 17 phrases aujourd'hui. Alors, j'ai envie de les faire toutes, d'accord? N'oubliez pas de vous hydrater, hein, un petit peu d'eau. Et c'est parti. Alors, la définition d'un modal et sa fonction. L'auxiliaire de modalité, c'est-à-dire le modal, est un auxiliaire qui donne le point de vue de celui qui parle sur ce qui est dit. C'est très important à comprendre ça. Si vous comprenez ça, la définition à quoi sert un modal, en fait, en gros, ça sert à modifier, modifier légèrement ou beaucoup le verbe, tout simplement. D'accord ? Sa modalité apporte une modification de sens au verbe, donc c'est ce que je viens de dire. La modification exprime, donc en fonction de quel modal on choisit, hein. No beer, no, no, Loli. If I start with beer, I'm not going to finish, ok? Water. Je disais, la modification exprime que quelque chose est possible, nécessaire, probable, obligatoire, souhaitable, hypothétique ou certain. Quelque chose, oui, certain. Et aujourd'hui, nous voyons la modalité de la capacité pour exprimer que quelque chose est possible ou impossible. Hein, avec la négation. I know you're just kidding, Loli. Not to worry. And donc ça va être avec les modos can, could, be able to, qui est l'équivalence de can, ok, dans d'autres circonstances, dans d'autres temps. Et donc quand c'est impossible, avec la négation not, donc en contracté, ça fait can't, couldn't, ou alors not be able to, ok?
N'oubliez pas toujours de conjuguer, bien sûr, le verbe be. Hein. Ça va, vous suivez, oui? Ok. La modalité de la permission, c'est la deuxième que nous voyons aujourd'hui, mais nous allons toutes les mélanger. Enfin, nous allons mélanger les deux. C'est pour exprimer qu'une chose est permise. Ben oui, logique. Hein. Là encore, nous avons le modal can. Donc, can peut servir aux deux. Le modal may qui est plutôt soutenu hein, comme modal, c'est je dirais c'est très poche, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps, c'est très poli. Et la formulation to be allowed to, c'est-à-dire en gros avoir la permission de, d'accord. Et en négatif, qu'une chose est non permise, c'est-à-dire interdite. Hein? Donc, can't ou can't, ça dépend si vous êtes américain ou anglais. May not, là, il n'y a pas de contraction possible. Et not be able to, toujours en conjuguant le verbe be, bien sûr. Ok, c'est parti? Vous êtes prêts? Are you ready? Tell me in the chat. Are you ready? Ready, ready, ready? Shall we go? Shall we do it? Il y a toujours un petit décalage. Hein? J'attends un petit peu. Alors, réaction. Ah, il y en a une. Il y en a une qui est prête. Et les autres? Est-ce que vous êtes prêts? Papier, crayon, yes, Phil? Ok, Lolly, ready? Good. Ok, c'est parti. Annick aussi. Très bien. Brigitte, ok. Right. Alors, première phrase. Donc, toutes les phrases, hein, comme depuis la dernière fois, c'est-à-dire il y a 15 jours, toutes les phrases, on les fait maintenant. Excellent. Tout le monde est prêt. Toutes les phrases, je vous les dis que en français. Comme ça, ça vous permet d'avoir plus de vocabulaire aussi que le sujet. Que l'on fait maintenant. Hein. Donc, la première phrase, traduisez les phrases suivantes. Tu ne peux pas fumer ici. On commence facile. Hein. Je ne vais pas vous essouffler tout de suite. Alors, tu ne peux pas fumer ici. Traduisez-moi cette phrase en anglais dans le chat. J'attends 2-3 secondes avant de vous dire la réponse. Tu ne peux pas fumer ici. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Normalement, ça, c'est facile. Hein? Alors, nous avons Loli qui nous dit « You can't smoke here ». Habituez-vous. Hein? Je sais qu'il n'y a que moi qui parle ici, mais chez vous, devant votre ordi, habituez-vous à dire les phrases à voix haute également, ok? Alors, you can't smoke here pour Mohamed, you can't... Oh, une petite faute de frappe, Annick. Vous avez mis un T de plus, un T de trop. You can't smoke here, you can smoke here. No, you can't, Phil. C'est la négation, tu ne peux pas. Hein? You cannot, oui, quand c'est pas contracté. Brigitte, c'est bon. Smoke here. You can't smoke here. Ok, excellent. Bon, ben, j'ai même pas besoin de le mettre. Enfin, je l'avais en copier-coller. Mais bon. C'est parfait. Très bien. Alors, on passe à la deuxième tout de suite. Comme il y en a 17, on va pas traîner. You can't smoke here. Tout le monde a bon. Super. La deuxième, c'est... Puis-je prendre votre assiette? Et la personne, donc on imagine c'est au restaurant, hein? On imagine que la personne a fini son assiette et le serveur demande « Puis-je prendre votre assiette ?» Et le client répond « Oui, merci ». Donc, comment vous allez dire ça en anglais? « Puis-je prendre votre assiette ?» Donc là, c'est la permission, hein? Puis-je prendre votre assiette? Donc, c'est le serveur qui parle. Salut, Sénie. Hello, hello. Welcome, welcome. C'est le serveur qui parle à
au client qui est à table, donc il va être très poli. Non, beaucoup plus poli que ça, Séni. Alors, qu'est-ce que nous avons? Séni, I can have your plate, ça veut dire je peux prendre votre assiette et c'est pas un serveur qui dirait ça comme ça. D'accord? À la maison, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Loli qui nous dit, Could I take your plate? Avec un point d'interrogation. Tant qu'à faire, hein. Je sais que c'est l'oral, hein, mais bon. Phil qui nous dit, Can I take your plate également? Marius, I don't know. Ok, c'est pas grave, vous suivez, c'est pas un problème. Loli, could I take your plate, please? Oui, vous pouvez rajouter please aussi. N'oubliez pas le oui merci, hein, à traduire. Marius, I would like your plate. C'est une question, hein. Phil, may I have your plate? Ouh, très poli ça. C'est bien ça. J'aime bien le mail là. Quand on est serveur, je pense que c'est important. Cindy, can I have your plate? Ok. Annick, may I take your plate? Yes, thank you. Ok. Une qui m'a écouté, Annick, merci pour avoir dit le oui, merci aussi. Angel, cool. Hein? Couleur, you. Oula. Là, j'ai du mal, hein, Angel. Mohamed, can I take your plate? Ok. Yes, thank you, d'accord. Be allowed to take two plates, please. Oula, Brigitte, revoyez ça. Il hein? N'y a pas de sujet. Le bill n'est pas conjugué. Et cette formule-là, pas dans cette situation, je dirais, hein. Yes, thanks. Can I take your plate? Yes, you can. Mohamed, ok. Phil, yes, thanks. Ok, that's not bad. Not bad at all. Alors, je voudrais faire un petit hop, remonter ça, que je puisse voir tout en même temps. Alors, moi j'aime bien. Franchement, je vous dis, j'aime bien dans cette situation-là, parce que c'est un serveur qui parle au client, j'aime bien may. May I take your plate? Could est bien aussi, hein. De toute façon, il y a toujours plusieurs possibilités, hein. Je vous le dis toujours. Sachez que les possibilités sont nombreuses. Alors, ma préférée personnellement, mais bon, hein, ça n'engage que moi, c'est May I take your plate? Ou May I have your plate? Oui, ça pourrait aussi, Nadia. Hein. Alors, et yes, you can. Si le serveur est très poli, bah, autant être très poli aussi. Yes, you can. Thank you. OK? Can I take your plate, Marius? Yes, thanks. Nadia, can I have your plate, please? Ok. Good, good, good. Est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci? Je pense que ça va, hein? Donc, may I take your plate? Spécialement, si vous allez dans un restaurant 3 étoiles, ou non, les étoiles, c'est pour les hôtels, non? Je sais plus. Ça sera du mail, hein. Après, si vous allez dans un pub, c'est possible que on vous dise plutôt, oui, c'est probable, plus que probable d'ailleurs, qu'on vous dise plutôt, Could I take your plate? Can I take your plate? OK? Ah, très bonne question, Loli. Effectivement, on peut, c'est le client qui répond yes, you can, mais il pourrait dire yes, you may.
Absolument. D'ailleurs, pour plaire à Loli, je vais le rajouter. Ok. Super. Allez, on passe à la troisième. Ben, c'est bien là. La troisième, c'est ils ne peuvent pas veiller tard le soir. Donc, en parlant de d'enfants en bas âge, j'imagine, hein? Ils ne peuvent pas veiller tard le soir. Alors, comment vous allez dire ça? Ils ne peuvent pas veiller tard le soir. En sachant que on parle d'enfants. Alors, il y a une idée de permission là vraiment importante. Alors, je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Je sirote mon eau. Ah, moi, j'ai travaillé avant. Hein. C'est à vous maintenant de travailler. Hein. Vous savez que j'aime pas donner les réponses trop tôt non plus. Alors, ils ne peuvent pas veiller tard le soir. Est-ce que vous avez besoin de oui, veiller le soir, hein. C'est un peu bizarre, mais ça se dit to sit up, comme si on to sit, donc s'asseoir, et up straight, enfin droit. C'est ça, l'expression to sit up late, ça veut dire veiller tard le soir. Hein, comme ça, vous apprenez une expression de plus. Si vous avez des enfants, vous pouvez dire ça. Alors, nous avons Loli, they are not allowed to stay late ou stay late in the evening. Ok, ça c'est du mot à mot, mais bon, ça marche, hein, cette fois. C'est ni des camps, je ne sais pas comment. On dit veiller. Ah bah oui, je viens de le dire, hein? D'accord? Donc réessayez la phrase, s'il vous plaît, Sini. Mohamed, they can't wake late tonight. Non, wake, ça veut pas dire to wake up, c'est se réveiller, hein? Donc, je vous mets ici. Alors, attendez, je vais vous mettre. Veiller tard le soir, donc veille, tac 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 tac. Je vous laisse chercher quand même le verbe, enfin le modal. Pas veiller tard le soir, c'est comment déjà? La 3, to sit up late, ouais, j'aurais pas dû dire ça, bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux? Donc, on commence par day, on finit par sit up late. Sit up late, ça veut dire veiller tard le soir. Qu'est-ce que je vais mettre entre les deux? Alors, nous avons they cannot, Angel, they cannot sit up late the night. The night. On n'est pas obligé, hein, quand on dit veiller tard, c'est pas en anglais, on n'est pas obligé de mettre le soir en plus. Le mot sit up late, ça veut déjà dire que c'est le soir. It cannot, they, Brigitte, c'est il au pluriel. Cannot stay up late the night. They can't sit up late. Alors, je précise bien, ce sont des enfants. Donc, c'est là, on veut l'idée de la permission, enfin de la non-permission, de l'interdiction. Et quand, c'est juste, c'est pas assez fort. Essayez plus fort. Oui, voilà, not, avec not allowed, tout à fait. Alors,
C'est avec l'expression to be allowed to en négatif. Qu'est-ce qu'on me met? Là, il y a des wouldn't sit up late. Ah, they wouldn't sit up late, ça veut dire ils ne they wouldn't qui ne voulaient pas, hein, qui ne voulaient pas veiller tard le soir. C'est un peu bizarre. En général, les enfants, ils veulent. Donc, c'est pas ça le sens de la phrase. Hein. Feel they aren't. Ouh là. Il y a un tout de trop là. They aren't too allowed to sit up late at night. Asagi, ou pardon, Mahaman, they can't not. Il y a deux négations là. To sit up late. Mohamed, they can't sit up late. Jean-Marc, they cannot stay up late the night. At night, c'est mieux. Ça se comprendrait, ça se comprendrait, mais je veux vraiment l'interdiction. L'interdiction, c'est avec l'expression not to be allowed to. Hein? Là, c'est vraiment, il n'y a pas de. C'est certain, quoi. C'est absolument interdit. Quand, c'est pas aussi fort, hein? Ah, Phil, ça y est, vous avez compris. Très bien. They aren't, ou they are not, hein, allowed to sit up late. Yes, Mohamed. They are not allowed to sit up late. Ah, ok. Tout à fait. Ok, donc retenez l'expression. Et ici, quand c'est vraiment une interdiction, il faut, oups, pardon, il faut vraiment utiliser, j'ai enlevé ça, voilà, il faut vraiment utiliser l'expression not to be allowed to. C'est une interdiction formelle. Ok, est-ce qu'il y a des questions avec cette phrase-là? They are not allowed to sit up late at night, si vous voulez, mais bon, ce n'est pas nécessaire de le rajouter. They are not allowed. Allowed, c'est avec un O au milieu, Annick. Hein? To be allowed to avoir l'autorisation, et donc, not to be allowed to, c'est ne pas. Ne pas avoir l'autorisation, avoir l'interdiction. Hein? Ok, c'est bon? Allez, je passe à la suivante. Numéro 4. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre appareil photo? On peut rajouter, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre appareil photo? Alors. On peut la dire de plusieurs façons, celle-ci, hein? Voyons voir ce que vous, comment vous allez me le dire, ça. Est-ce que je pourrais vous emprunter? Alors, c'est, à mon avis, ce sont deux adultes, hein? Est-ce que je pourrais, donc on ne va pas demander, voilà, c'est ça. On ne va pas demander la permission à un adulte, mais on va être poli. Ce sera plutôt une possibilité polie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est hit height ou muin. Welcome, welcome, en tout cas. Donc, on traduit cette phrase en anglais, la numéro 4. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre appareil photo? Please, oui, s'il vous plaît, tout à fait. Alors, Loli, could I borrow your camera, please? Marius, may I borrow your camera? OK. Nadia, may I? Oui, et la suite?
Seni, will I can take your camera? Ah, c'est pourri avec un S. C'est-à-dire que c'est du c'est quoi? C'est de l'imparfait, c'est pas du futur. Muin, can I bring your camera? Ah, to bring, c'est apporter. Hein? C'est pas emprunter. C'est pas la même chose. Alors, Phil, can I borrow your camera? Ok, Nadia, may I to borrow? Ah, attention, attention. Jamais, vous savez, hein, dans la vidéo des modos, de la première vidéo, dans l'explication, c'est bien précisé, jamais de tout avant ni après un modal. Jamais, jamais, jamais. Jean-Marc, may I borrow your camera, please? Could I borrow your camera, please? Ok, Mohamed. Angèle, what is it can you emprunter? To emprunter, c'est to borrow, comme les autres. Your camera. Mais il n'y a pas what, hein? Attention. C'est une question sans mot de question. Ah, c'est parce que j'ai mis est-ce que. C'est comme si j'avais mis pourrais-je vous emprunter votre appareil photo. Mais en français, on ne parle pas comme ça. Hein? On dit est-ce que. Alors, may I borrow your camera? Bon, ça a l'air pas mal tout ça quand même. La majorité ont trouvé. Alors, la numéro 4. Effectivement, could ou may, ça veut dire, c'est comme vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est au feeling, hein. C'est vous qui voyez qu'est-ce que vous préférez dire. Could I borrow your camera, please? Ou may I borrow your camera? Les deux se disent, ok? Super. Très bien. Alors, la prochaine, c'est « Je suis capable de lire l'anglais, mais je ne peux pas le parler facilement. » Asagi, avec un « o » pour « borrow », hein, « to borrow », deux « o » en fait. Mais it's very formal. Oui, Loli. Mais c'est aussi quelque chose. C'est je vois cette phrase en imaginant que c'est une personne que je ne connais pas. Hein? Ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à votre patron, par exemple, bon, là vous allez dire may. Dans la logique, si vous parlez à un client, vous allez dire mais aussi. Si vous parlez à un collègue, vous allez dire could. Ok? Ça dépend des personnes, ça dépend comment vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, la numéro 5, la suivante. Je suis capable de lire l'anglais, mais je ne peux pas le parler facilement. Ah! Donc, je suis capable, et je ne peux pas. Alors, comment vous allez me dire ça? Ça, c'est une phrase, peut-être que, parce qu'il y a facilement, hein, que vous pourriez éventuellement dire. Donc, comment vous allez me traduire ça en anglais? Je suis capable de lire l'anglais. Mais je ne peux pas le parler facilement. Ne faites pas du mot à mot, pensez à l'idée générale. Vous pouvez faire deux phrases si vous voulez, plutôt qu'une grande. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, bougez ça un petit peu. Voilà. Donc, Loli qui nous dit « I can read English, but I can't speak it easily. Mm-hmm. » Or fluently.
Moi, j'ai dit facilement, hein. Donc, easily, c'est facilement, c'est pas fluently. Alors, Annick, I can read English, but I can't speak easy. La deuxième partie est un peu biscornue, je dirais, Annick. Alors, je suis capable. Après, quand je dis je suis capable, c'est pas je peux. Si vous comprenez ce que je veux essayer de vous faire comprendre. C'est plus fort que je peux. Hein? Déjà, c'est pas ma première langue, mais je suis capable et j'en suis fière de lire l'anglais. Hein, j'ai la capacité, j'ai appris, c'est un acquis, c'est assez fort. Alors, pour faire une bonne nuance là, plutôt que de dire I can read, ah, il y en a un qui a compris. Win. Oui, I am able to read English. English, toujours avec un E majuscule en anglais, hein. But I could not speak it easily. Ah, but I could not. Why could not? Could not. Pourquoi could? Jean-Marc, I'm able to read English. La majuscule, c'est pour le English, pas le tout. Jean-Marc. But I cannot. Oh. Speaking ING? Easily. Angèle, I am able. Oui, alors, able, c'est A-B-L-E. Hein? To lire English, ok. But I cannot speak. Ok. Okay, Loli, I am able to speak English, but I am not able to read it. C'est le contraire là alors de la phrase. Brigitte, I am able to read English, but I cannot speak it easily. Yes, Brigitte, excellent. Phil, I am able to read English, but I can't speak easily. En français, on dit je ne peux pas le parler facilement pour ne pas faire la répétition du mot anglais. Hein? Le se traduit aussi, hein? N'oubliez pas. Ok, Loli, no problem. Alors, Annick, I'm able to read English, but I'm not able to speak easily. Ok. Phil can't easily speak them. Speak it. Nadia, I am able to read English, but I can't speak easily. Easily, il y a un i, hein, entre le S et le L. Mohamed, I am able to read English, but I can't speak it easily. Yes, ok, we got it, Alien. So, I'm able to read English, but I cannot speak it easily. Speak it easily. Hein? It pour le. OK? Speak it easily. I am able to read English. Pourquoi on utilise ici to be able to, c'est pour insister, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé, c'est pour vraiment porter l'attention sur le fait qu'on est capable et on en est fier. D'accord? Par contre, si vous dites, but I am not able, alors can not ou cannot, hein, c'est pareil, hein, I am not able to speak it easily, dans la même phrase, alors, c'est un petit peu, ça aura un sens un peu trop négatif.
pessimistique, je pense. D'accord? Mettez simplement can pour la deuxième partie. OK? I'm able to read English, but I can't speak it easily. Yes. Ah oui, j'avais déjà lu celle-là. L'amour. I am able to read English, though. Nice. I don't speak properly. Alors, speak sans E, hein. Par contre, properly, c'est pas, ça veut pas dire facilement. Ça veut dire correctement. C'est pas la même chose. C'est un détail, mais bon. Ok, allez, on passe à la suivante. Il est déjà 20h09, oh là là. Donc, numéro 6, c'est un très bon nageur. Il peut faire 3 longueurs en 1 minute 30 secondes. C'est un très bon nageur. Il peut faire 3 longueurs, donc longueur de piscine, hein, en 1 minute 30. Je ne sais pas quelle distance elle fait la piscine, hein, mais bon, peu importe. C'est pas le but de l'opération ici. Alors, yes, Phil, correct for l'amour, hein? Speak sans le E à la fin. The reading, but I cannot speak it easy. Yes, Nadia, correct. Good, 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 good. Alors, la sixième, c'est un très bon nageur. C'est un très bon nageur. Il peut faire 3 longueurs en 1 minute 30 secondes. C'est rapide, hein? Il a la capacité de faire 3 longueurs en 1 minute 30. Alors, c'est un très bon nageur. Nageur, vous savez, j'attends un peu avant de le dire. Longueur, ah oui, peut-être longueur. Longueur de piscine. Length. L-E-N-G-T-H-S. Length. Avec ce fameux TH là. Alors, nous avons Loli. Is a very good swimmer. Is able to do 3 lengths. Three lengths in 1 minute and 30. Ah oui, d'accord. And 30 seconds. C'était pas la peine de marquer 1 minute 30 seconds en lettres, hein. C'était pas nécessaire. Mais bon, c'est très bien. Alors, les autres. Sunny is a good swimmer. Je connais pas ce mot. He can do 3 lengths in 1 minute 30. Vous pouvez écrire comme j'ai écrit moi, 1 minute 30 seconds. Du moment que vous savez le dire, hein, vous savez, moi, je c'est surtout l'oral, hein. Alors, qui d'autre? Alors, c'est un Mohamed, c'est une personne, hein, donc c'est he, not it. Angèle, pareil. C'est pas parce que c'est, on parle d'une personne, hein, donc c'est he is a good swimmer. He can do 3 lengths. Ah, il manque un G et un S. 130. Ok. Phil, it's a great swimmer. Non, c'est une personne. C'est une personne. C'est, alors attention, ça c'est du mot à mot, hein. Essayez de vous enlever cette façon de penser de faire du mot à mot, parce qu'en français on dit c'est, mais on sait qu'on parle d'une personne.
Donc c'est he. Alors. Qu'est-ce que je fais là? Donc, Foxy, Foxy, alors, nous avons pas de problème, Céni, c'est pas grave. C'est en essayant, c'est en se trompant qu'on progresse. Can swim 3 lengths in 130. Brigitte, he's very good swimmer. Alors, Brigitte, n'oubliez pas l'article. Hein. C'est un très bon swimmer. He can do 3 lengths in 130. Ok, Annick, this is a good swimmer. Même problème, hein. C'est pas une chose, c'est une personne. He can swim 3 lengths in 130. Ok. He's a very good swimmer, Jean-Marc. He's able to do 3 lengths. D'accord. Mohamed, he is a good swimmer. He can do 3 lengths in 130. Ah, nice, nice. Oui, j'ai vu Loli. C'est GTHS. Tout à fait. Tout le monde peut voir ce que Loli a mis parce que effectivement, length. Alors déjà, la plupart d'entre vous ont oublié qu'il y en avait 3, donc c'est au pluriel. Hein. Il y a un S à la fin. Et ça s'écrit L-E-N-G-T-H-S. Ok. Brigitte, il est vraiment très bon. Oui, il est vraiment très bon. Après, on ne sait pas la longueur de la piscine. Hein. C'est peut-être une piscine de bébé. Hein. Phil, sorry, he's a great swimmer. Oui, voilà, avec he, c'est mieux. He's a great swimmer. He can swim, not swim, 3 lengths away. Non, pas de raison de mettre away, hein. Alors, est-ce que je l'avais copié déjà? Copié-collé? Oui. Voilà, voilà la réponse. He is... Oups, 32. He is a great swimmer. He is a very good swimmer. Pareil, hein, very good or great, c'est bien. He can do 3 lengths in 1 minute 30 seconds. N'oubliez pas le in 1 minute. Hein, on dit bien en 1 minute 30. Hein, donc, in 1 minute 30 seconds. Ok? Nadia, he is a good swimmer. He can do 3 lengths in 130. 30, c'est T-H-I-R-T. Y. Pas T-H-E. Le mafiant. hello. Proud to join your life for the first time. Oh, welcome. Alors. Donc, c'est bon pour celle-là. On continue. On n'est même pas à la moitié, dis donc. Allez. Faut que j'arrête de parler aussi. Oups. Numéro 7. Pouvez-vous me dire comment on va à la gare, s'il vous plaît? Ça devrait être rapide. Hein. Pouvez-vous me dire comment on va à la gare, s'il vous plaît? La gare des trains. Hein. À la gare, s'il vous plaît. Ou la gare que vous voulez. OK. Alors. Pouvez-vous me dire comment on va à la gare, s'il vous plaît? Ça devrait être, hop, rapide. Allez. Oui, Céni, écrivez. Céni est impatient. Alors, pouvez-vous me dire, ça c'est un automatisme que vous devriez savoir, parce que quand vous allez quelque part, ben vous allez toujours avoir cette question à poser. Pouvez-vous me dire comment on va à la gare, s'il vous plaît?
Ne pensez pas trop du mot à mot pour le comment. Hein. C'est un... Enfin, ça pourrait, mais bon. Pouvez-vous me dire le chemin vers la gare? Là, je vous aide beaucoup. Allez, allez, écrivez vos réponses. Tac, 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 tic, tac, tic, tac. Loli qui nous dit « Could you tell me how to go to the station, please? Mm-hmm. » Phil, « Could you tell me why? » Pourquoi « why? » « We are going to the station, please. » I don't know. « Because we want to go to the next city. » I don't know. Oui, Loli, j'avais compris. Alors, Muin, could you tell me how to go to the train station, please? Oh, sounds good. Brigitte, can you tell me how are you at train station, please? Alors, la Brigitte, c'est le verbe de la deuxième partie de la phrase qui ne va pas. Parce que vous avez mis le verbe être, to be. D'accord, c'est on veut le verbe aller. Angel, could you tell me how to go to at? Oula, beaucoup de prépositions là. To go to at the station, please. Oups là, là ça va vite. Phil, could you tell me how to go to the station, please? Good. May you tell me? Oula là, Jean-Marc, vous êtes de la haute société. May you tell me? May you tell me? Ça fait bizarre. Je réfléchis, hein. Est-ce que c'est possible de dire ça? Je crois pas. Hein. May you tell me? Non, c'est bizarre. C'est trop bizarre. How to go to the station, please? Could you please tell me the way for the train station? J'aime bien ça. Annie, can you tell me the way for the station, please? Oui. Can you tell me how we going to coach station then? Bus station, maybe. Moi, j'ai dit les trains, mais bon, peu importe, hein. Alors, je vous la mets et on passe. Oh, pourquoi elle est tout en orange? Je ne sais pas. Could you tell me... Oh, peu importe. The way. Hein, c'est pour ça que je disais not how to. Can you tell me how to the car? OK. Yes, Loli is good, hein? It's true, Phil. How to get, yes. Oh, the way. Soyez simple, hein. Je sais pas pourquoi ça me perturbe. C'est tout en orange. Could you tell me the way, le chemin pour aller, the way to, oh! Oups, to go. To. Pardon. J'ai oublié le deuxième verbe. To go to the train station, please. OK? To go to the train station. Could you tell me the way to go to the train station? Or could you tell me how to go to the train station? C'est parfait aussi, Phil. C'est très bien. How to get to the train station? Oui, c'est bon aussi. OK, super. Allez, suivant. Tac, 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 tac. Numéro 8. Il y a quelques mois... il ne pouvait pas parler en anglais. Loli qui nous demande how to go. Isn't possible? Yes, it is possible. How to go? Yes, it is possible. Un natif, je pense, dirait the way to go to. How to go est peut-être plus,
plus notre façon à nous, les étrangers, de parler. Mais c'est correct, hein, c'est correct, ça passe très bien. The way that's good, oui. To go to, yes. It can be the bus station. Oui, si vous préférez prendre le train, il n'y a pas de problème. It can be the bus station, of course. Alors, numéro 8. Il y a quelques mois, il ne pouvait pas parler, donc il au pluriel, hein, plusieurs personnes, il ne pouvait pas parler anglais. Elle, tiens, on va mettre pour changer. Je sais pas, j'ai envie. Allez, hop, elle ne pouvait pas parler anglais. Il y a quelques mois, alors, j'ai hâte de voir comment vous allez me traduire ça, il y a quelques mois. Elle ne pouvait pas parler anglais. Après, je vais passer peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a quelques mois. Ah, Loli qui nous dit « Some weeks ago. He wasn't able to speak English. Après, il y a plusieurs possibilités, hein, donc lancez-vous, hein. Elle au pluriel, j'ai dit. Ce sont plusieurs personnes quand même. Hein? Alors, Mohamed, there are some months they can't speak English. Ouh, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. C'est du passé déjà? A few months ago, they could, I suppose, not spoken English. Oula! C'est le prétérit, hein? Là, vous l'avez mis, c'est bizarre votre temps, là. Cindy, they have a month... Oh là là, dis donc, il y a quelques mois... Comment on dit il y a quelques mois? Could we, right, oui. Feel some months far, far, far away. She, elles sont plusieurs, hein, j'ai mis au pluriel. She isn't. Alors, si c'est dans le passé, c'est dans le passé. Pourquoi vous mettez le présent? She isn't able. C'est présent, ça. Angel, there are quelques months. They cannot speak English. Le mafia. They can't speak English several months ago. Qui c'est qui va me mettre cette phrase au passé, s'il vous plaît? Pour le verbe d'action. Elle ne pouvait pas. Hein? C'est pas aujourd'hui. On ne sait pas aujourd'hui. À mon avis, ça a changé. Annick, there are few months they aren't able to speak. Ouh là là, dis donc. They weren't able to speak English. Ça, c'est mieux. Ça, c'est du prétérit au moins. Alors, Lamou, they couldn't speak English some months ago. Ah. Alors. Brigitte, few months ago, he could, au pluriel, he could not speak English. Votre phrase est très bonne, seulement c'est juste un homme dans votre phrase. Moi, j'ai dit plusieurs femmes. Jean-Marc, few months ago, they couldn't speak in English. Est-ce que in est une erreur, là? On ne met pas in, hein, Jean-Marc. Phil, a few months ago, they couldn't speak English. Ah, bonjour à tous. Hello, Ruth. Who is? C'est portugais, non? Ou espagnol, peut-être?
Annick, they were able to speak English. They were not. They were not, hein? C'est une négation. A few months ago, Nadia, they couldn't speak English. Ok, Loli, they were not able to speak English. Phil, your answer, where is your answer? A few months ago, they couldn't speak English. Yes, avec un H à English, ça serait mieux, mais elle est bien, elle est bien. It's good, Phil. Ok. Bon, on y est arrivé. Alors, few months ago, il y a, c'est ago à la fin. Ça, il faut le savoir, hein, on ne peut pas vraiment le deviner. Ago, je vais vous le mettre d'une couleur, vert par exemple, veut dire il y a. Ok? Few months ago, quelques mois, il y a quelques mois, they couldn't speak English. Alors que ce soit des femmes ou des hommes, ou un mélange, c'est pareil, c'est they. Hein. C'était pour vous tromper. Ça a marché d'ailleurs, hein. Beaucoup d'entre vous ont Vichy. Je suis méchante. Oh. Alors. What's the Loli's answer? Je ne sais pas, elle a fait plusieurs. There are some months they did could. Ooh, who is non, c'est. C'est un peu bizarre ça. No problem, Phil. Ok? Donc, il y a pensé ago. Few months ago, they couldn't speak English. Ok, let's go. Numéro 9. Oh non, c'est trop facile. Numéro 10. Vous ne pourriez pas acheter cette maison, elle est trop chère. Point virgule, on va mettre. Vous ne pourriez pas, donc c'est quelqu'un qui dit à une autre personne, vous ne pourriez, enfin un couple peut-être, par exemple, vous ne pourriez pas acheter cette maison, elle est trop chère. Donc, incapacité, impossibilité. Vous ne pourriez pas acheter cette maison, elle est trop chère. Alors, comment on va dire ça? Vous ne pourriez pas acheter cette maison. Réfléchissez. Alors, vous ne pourriez pas acheter cette maison, elle est trop chère. Donc, qui, c'est vrai qu'il y a un décalage à chaque fois, un petit peu quand même. Qui va me faire la première réponse? Réfléchissez, c'est bien, vous réfléchissez. Ah, mais c'est toujours Loli la première, hein? Wouhou! Au taquet! Alors, Loli qui nous dit, you couldn't buy this house, it is too expensive. Phil qui nous dit, you couldn't buy this house, it's too expensive. Too, dans ce sens-là, pour dire trop, c'est avec deux O, hein. Comme a mis Loli juste au-dessus. Mine, you could not buy this home, house, c'est mieux. It is very expensive. Ruiz, toi could not to buy its home because it's very expensive. It's too, so we feel, avec deux O, tout à fait. L'amour, you can't buy this house. It's so expensive. Alors, it's so expensive, ça veut dire c'est tellement cher, hein, c'est pas c'est trop cher, c'est tellement cher. Bon, c'est une nuance, hein, après.
Mais ici, l'amour, vous avez. Vous parlez au présent. Tandis que moi, j'ai mis vous ne pourriez pas. Conditionnel. Vous ne pourriez pas. Hypothétique. Alors, Loli qui dit waouh, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, le mafia, pardon. You couldn't buy this house, it's too expensive. Jean-Marc, you, oui, vous aviez mis, je ne sais plus. You could not buy this house, it is so expensive. So expensive means tellement cher. C'est pas exactement ça, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Et la réponse est You couldn't buy this house, it's too expensive. Donc la plupart d'entre vous l'avez trouvé. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Nadia, you couldn't buy this house, it is very expensive. C'est très cher. Moi, je dis c'est trop cher. It's too. Ok, super. You will not buy. Alors, Angèle, c'est une interdiction. You will not buy this house. It is expensive. Cette phrase, ça veut dire vous n'achèterez pas. C'est du futur et négatif. Vous n'achèterez pas cette maison. C'est trop cher. It is expensive. C'est cher. You can't afford this house. That's right. Yes. Ou alors, Loli, ou alors, it's not worth it. Hein? Peut-être que le prix est bien trop élevé pour sa valeur, pour la maison que c'est. Brigitte, you will be able to because it's really too expensive. You will be able to. Alors, ça veut dire vous serez. Vous pourrez, pas pourriez pas. Vous pourrez parce que c'est vraiment trop cher. C'est bizarre comme phrase, Brigitte. Phil qui nous demande, may I say wouldn't, avec un D, je suppose. Wouldn't. Alors, Angèle encore loupé, c'est pas grave. Phil, mais assez wouldn't. Alors, on pourrait utiliser wouldn't, mais alors il faudrait mettre you wouldn't be able to, hein, parce que c'est quand même la possibilité de, enfin l'incapacité en fait, l'impossibilité d'acheter. Tandis que si on mettait juste you wouldn't buy, ça voudrait dire tu n'achèterais pas cette maison. Mais on peut mettre effectivement you wouldn't be able to buy. C'est-à-dire vous ne pourriez pas, vous ne seriez pas en mesure d'acheter cette maison. OK? Good. Excellent. You could not buy. This house, it's so expensive. C'est tellement cher. C'est une faute de frappe, je pense, à sa guide. C'est TOO, hein. Phil, you wouldn't buy this house, it's too expensive. Avec un E à la place du A. No problem, Phil. You're welcome. OK, good, good, good. Next. Alors, je suis. Oh! Et moi, je fais des fautes aussi, vous voyez? Personne n'est parfait. Et moi encore moins. Alors, je suis épuisée. Ah, comment on dit ça? Je suis épuisée. Je serai incapable de marcher 1 km de plus. Je suis épuisée. Je serai incapable de marcher 1 km de plus. Alors, je vérifie l'heure parce que la dernière fois, au bout d'une heure et demie, ça m'a coupé. Ok, j'ai encore un peu de temps.
Je suis épuisée. Ah, je suis épuisée. Je serai incapable, hein, vraiment pas possible, quoi, de marcher un seul kilomètre de plus. Je n'en peux plus. Alors, comment vous allez dire ça en anglais? Ah. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit « je suis épuisée » C'est un mot que j'aime beaucoup. Enfin, dans la sonorité, hein. pas de lettres, hein. En anglais, sonorité anglaise. Alors, qui va me trouver ça? Une idée? Je suis épuisée. Épuisée. Alors. Je serai incapable de marcher un kilomètre de plus. Yes, Loli. Exactly, Brigitte. Yes, exhausted. I am exhausted. Exhausted. Hein, alors là, c'est un mot très fort. Il faut vraiment faire l'intonation sur la syllabe du milieu, l'avant-dernière en fait. Exhausted. I am exhausted. I'm exhausted. Good. I'm tired, c'est avec un i, hein, Angèle. I'm tired, c'est je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée. I'm tired. Mais là, c'est je suis épuisée, j'en peux plus, quoi. C'est I am exhausted. Ensuite, je serai incapable, dites-moi en anglais, je serai incapable de marcher un kilomètre de plus. Je serai incapable de marcher. Mince, Angèle, c'est pas grave, c'est bien. Je serai incapable. Alors, unable, Brigitte, c'est mieux d'utiliser la négation not able to. Hein. Alors, I'm tired. Non. Je plaisante. I am exhausted, on dit, hein, exhausted. Alors, Loli qui nous dit, I'm exhausted, I wouldn't be able to walk, O-E, je ne sais pas, ah, one, je suppose, O-N-E, non, kilometer anymore, ah, un peu trop de mots là, vers la fin. Phil qui nous dit, I'm exhausted, I can't be able, ouh, attention Phil. Soit vous mettez can't, soit vous mettez be able to. Jamais les deux. Loli, any more or any longer? Aha. Ou un autre kilomètre. Si je vous dis un autre kilomètre, ça vous aide là, quand même. Jean-Marc, I'm exhausted, I would not... Ah, il manque le verbe be là. Able to walk one more kilometer. Yes, one. Yes, Loli. Phil, sorry, pas deux. Just one, not two. Annick, I'm exhausted, I'm able to walk one more kilometer. Ah bah, si vous êtes capable, si vous dites I am able to walk one more kilometer, ça veut dire que vous êtes capable de marcher un kilomètre de plus. Mais là, c'est le contraire qu'on veut dire. Hein? Another kilometer. One, donc pas de S. Le mafien, I am exhausted, I wouldn't, il manque be ici aussi, hein, able to walk one more kilometer, ah, one more kilometer, mm-hmm. Alors,
two auxiliaries. Oui, exactly, Phil. Tout à fait. Can't et be able, c'est pas possible parce que c'est deux modaux en fait. Et il n'y a jamais deux modaux l'un à la suite de l'autre. L'un à côté de l'autre. Alors, je vous la donne. Alors, attention. Donc, I am exhausted. Oui, vous l'aviez trouvé. Et je suis tellement épuisée. Hein, on fait un trekking, là. Un trek. I wouldn't be... Hein, n'oubliez pas le be. Hein. C'est super important dans la formule to be able to. Hein. I wouldn't be able to... Ça aussi, ça devrait être en orange. Walk another mile or another kilometer. Hein? I wouldn't be able to walk another mile or another kilometer. C'est pour ça que je dis un kilomètre de plus, ça veut dire aussi un autre kilomètre. Hein? Another, pour faire plus simple. Nadia qui nous dit I'm exhausted, I would not be able to walk less ah 1 kilometer. C'était bien jusqu'à walk. Angèle, I am not able to walk 1 kilometer more or 1 more kilometer. Hein, de plus, il y a de plus en français, hein, dans la phrase. Yes, Phil, that's it. Wouldn't be able to. Excellent, ça c'est à retenir. Ça c'est une bonne formulation, une bonne groupe de mots. À retenir, super. Alors, pour ne pas finir trop tard quand même, on va faire la numéro... Attendez, que je regarde... Alors, est-ce qu'il y a quelques années de ça, c'était autorisé de fumer dans un restaurant? Elle est un peu compliquée peut-être. Ou... Ah, non, on va faire la dernière. La 16. Celle-ci. Oh, j'espère que je ne vous donne pas le tournis un peu. Hein. Alors, vous... Donc, c'est la dernière. OK? Mettez le paquet. Ah oui, je sais, Loli, que vous aimez compliquer. Why not want? Why not want? Want? Phil, je suis perdue là. Why not want? Want, c'est will not, hein? Want, ça veut dire, c'est le futur négatif. Mais là, c'est du conditionnel. De toute façon, on ne les fera pas les kilomètres de plus. Hein, ça, c'est clair. Alors, la dernière. Allez, on met le paquet, tout le monde, là. Vous pouvez visiter la cathédrale, mais vous ne pouvez pas prendre de photos. Vous pouvez visiter la cathédrale, mais vous ne pouvez pas. Donc là, il y a pouvez. Vous pouvez visiter la cathédrale, mais vous ne pouvez pas prendre de photos. Dans le sens, alors, vous ne pouvez pas prendre de photos, c'est pas dans le sens de la possibilité, c'est dans le sens que c'est interdit. OK? No problem, Phil. Alors. Vous ne pouvez pas, donc je répète le livre, vous allez trop vite à chaque fois. Dans le sens, vous pouvez visiter la cathédrale, ok, possibilité, très bien, simple, sans problème, sans froufrou, on va dire, mais vous ne pouvez pas prendre de photos. Et là, c'est de l'interdiction, c'est pas autorisé. Et je veux un mot fort là pour montrer que c'est vraiment interdit. On dit pas must en
You mustn't take photos, c'est vous ne devez pas prendre. Là, j'ai dit que vous ne pouvez pas prendre. Alors, Ruiz, you can... Oh, il n'y a pas de tout après ni avant un modal. Enlevez-moi ce tout-là, ça me fait mal, dit Ruiz. You can visit, on va dire, hein, the cathedral, but you can't, you cannot again to ou take pictures. Revoyez la vidéo, Ruiz, des modos, de la généralité des modos. Revoyez cette vidéo-là. Elle est importante là pour comprendre les règles là, des modos. Photo. Alors, Jean-Marc, you can visit the cathedral, but. Oupla. You. You cannot take picture, take a photo. OK. Phil, you can. C'est à Phil que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de tout après. Non, c'est à Ruiz. Eh bien, Phil, c'est pareil. Hein? Il n'y a pas... Alors, vous avez compris l'histoire d'un seul modal. Il n'y a pas deux modaux qui se suivent. Mais là, le tout non plus. Hein? Jamais de tout autour, ni devant, ni après un modal. Modal, c'est qu'un. Visite de church. Church, c'est église. Ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, bon. Je ne suis pas pour ça. But you mustn't... Ah, non, 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 non. Pas de problème, Ruiz. Aucun souci. Alors, Loli, you are not allowed to take pictures. You got me. Ok, merci. You're welcome, Ruiz. To take, oui. Ah, j'avais même pas vu le S. Annie, you can visit the cathedral. Alors, cathédrale en anglais n'a pas de E à la fin. Hein. Et pas d'accent non plus, évidemment, mais pas de E à la fin. Annie, you can visit the cathedral, but you aren't able to take pictures. Alors, attention, you aren't able to, c'est la possibilité. Moi, je veux une interdiction. C'est, non, c'est une interdiction dans le sens poli quand même. Hein. La permission, quoi. La non-permission, je veux dire. Brigitte, you can visit the church, but won't, can't, bah. Take pictures. Want, can't? Mm-hmm. Phil, you can visit the cathedral, but you can't do pictures. Nadia, you can visit a cathedral, but you shouldn't take a photo. Ah, c'est une idée, mais ce n'est pas le sens de ma phrase. Ça veut dire you shouldn't take picture, you shouldn't take photo. C'est vous ne devriez pas. Hein? Donc, c'est même pas une interdiction. Ah, c'est parce que je dis interdiction que vous mettez must. Mustn't. C'est pour ça. Non, non, c'est pas mustn't. Alors, ce n'est pas permis. Nadia, you can visit a cathedral. Ah oui, j'ai dit ça. Asagi, you can visit a cathedral, but you can't take the pictures. Brigitte, cette phrase est dans votre leçon. Est-elle? Ah, c'est possible, hein? Désolée. Alors, vous devriez l'avoir bonne. Phil, you can't visit the cathedral. Ah, you can't visit the cathedral? But you are not allowed to take pictures. You may not take pictures. Ah, Annick, you may not take pictures. C'est, oui, c'est du très poli, ça.
mais enfin, ça se comprend, hein, mais c'est pas assez fort à mon goût. Je suis pénible, hein. Allez, je vous la donne. You can visit the cathedral, donc sans E à la fin, but you are not allowed to take photo. Et ça, c'est souvent, hein, dans les musées, des fois, dans les cathédrales. Alors, le guide peut vous dire ça. You can visit the cathedral, but you are not, you aren't allowed to take photo. Est-ce que vous comprenez cette phrase? You aren't able, allowed, pardon, si je me trompe moi aussi. You're not allowed to take photo. You can visit the cathedral, but are not allowed to take pictures. PIC, ouais. Pictures, yeah. Photo, pictures, yeah. OK? Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, pour ce soir. On va s'arrêter là. Alors, où est-ce que je suis? Où suis-je? Où je vais-je? Ici. Voilà. Je reviens. Hop. Tout à fait. Voilà. Alors, ça vous a plu? C'était le dernier du premier trimestre. Le dernier live du premier trimestre. You got it, Phil. Excellent. Good. I'm glad. I'm glad you get it. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était difficile ou ça va encore? Oui, il y en aura d'autres, hein. Je continue les lives tous les 15 jours, le vendredi soir à 19h30. C'était juste parce que c'est la fin de mars, c'est le dernier, c'est le trimestre, c'est tout, hein. Mais on va changer un petit peu le sujet. La prochaine fois, on va faire plutôt des dialogues. Des dialogues avec. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais prendre peut-être un article de la presse, parce que j'ai des journaux anglais là, ou un sujet, peu importe. Et en vous donnant du vocabulaire, comme ça, des mots de vocabulaire. Et vous allez essayer de me faire un dialogue, des phrases entières, des questions-réponses, questions-réponses, clac, 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 clac. OK? Bon, bah, c'est bien. Bah, je suis contente que ça vous ait plu. Alors, n'oubliez pas de liker, hein, bien sûr, hein, pour m'aider à faire partager tous mes vidéos, ma chaîne YouTube, tout ça. Likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le évidemment. Et voilà. Et vous avez aussi la newsletter, bien sûr. Donc tout est dans la description de chaque vidéo, celle-ci également. Si vous voulez recevoir la newsletter, si vous voulez voir les formations que je fais, si vous voulez un coaching avec moi, tout est dans la description. Allez-y, posez-moi les questions ici ou Facebook, peu importe. Alors, je vous lis quand même un petit peu. Donc, amazing hit. Oh, thank you, thank you. Loli qui dit thank you, teacher. Not very easy, but very informative. OK, great. Phil qui nous dit English right now. How can I do it? English right now. How can I do it? What do you mean? Nadia, great, excellent. Brigitte, yes, very difficult for me. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, ça viendra. C'est bien de faire à chaque fois, il faut, c'est comme ça, hein, qu'on progresse. Annick, great, good work, good evening, Annick. Jean-Marc, for me it's hard, yes, normal. C'est pas du, les modos, c'est difficile, hein. Et puis là, il y avait du vocabulaire en plus aussi, que j'ai rajouté. Bon, pas si facile que ça, hein. Mais bon, si c'est trop facile aussi, bah, on n'avance pas.
Angel, thank you, teacher, merci, ça complète parfaitement mes cours, j'ai 63 ans et j'adore ça, merci, bonne soirée. Super, Angel, bah, je suis ravie que ça vous plaise, merci à vous de participer, c'est super. Loli, thumbs up, excellent. Alors, Phil, I propose the next subject, et exclamation, oui, c'est possible, je ferai avec des exclamations aussi, j'en ai une bonne liste. Pas de problème. Pour les dialogues, on va pouvoir les incorporer. J'ai liké right now. Merci, Loli. Nadia, I want to speak English. Help me, please. Ben, c'est comme ça que je vous aide. C'est avec les vidéos comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre une séance de coaching d'anglais avec moi pour que je vous dise exactement qu'est-ce qui vous manque dans votre anglais, vous faire un rapport. Allez voir dans la description, cliquez sur le lien et voyez si ça vous correspond, ok? When may I have a direct English with you? Tous les 15 jours, on fait ça, Phil. How to improve my thinking English teacher? oui, ben ça c'est la formation. Est-ce que vous avez le niveau pour faire la formation? Allez voir aussi, cliquez sur le lien dans la description. Ruiz, non, j'ai trouvé ça dur pour une première fois. Oui, c'est la première fois, mais vous inquiétez pas. Hein, c'est un peu... Donc, une fois tous les 15 jours, on fait ça. Venez régulièrement et vous y ferez. Il n'y a pas de souci, vous progresserez, vous verrez. Phil, thanks Loli too. Oui, thank you Loli. Nadia, ok. Ok, bonne nuit à Sagitt. Et merci beaucoup, merci à tout le monde. Good night, sleep well. Bye bye.